Alors, comment accompagner finalement les utilisateurs dans l'évolution des modes de travail? Il y a plusieurs axes là-dessus. Il y a d'abord les lieux, c'est-à-dire il y a de plus en plus de flex work et de coworking, donc il faut avoir des espaces adaptés. Il faut aussi beaucoup mieux cibler les usages, et là c'est extrêmement important qu'en amont du projet, on puisse regarder quels sont les usages, segmenter les usages et apporter finalement au travers des outils collaboratifs les bonnes réponses aux problématiques métiers. Et enfin, il y a les outils qui sont importants, et l'accompagnement se fait aussi pendant le projet. Chez ICAD par exemple, on a déployé des floor walkers qui étaient des gens finalement qui allaient coacher, qui allaient au devant des utilisateurs pour coacher les gens dans leurs usages au quotidien et pour prendre en compte la diversité finalement d'appropriation et la vitesse d'appropriation de chacun sur ces sujets et sur le mode collaboratif.